Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue au Rising Ocean pour l'émission Modaco en changement. C'est une émission qui vous peut suivre depuis quelques jours maintenant, qui nous peut intensifier dans quatre campagnes électorales pour être où, chers internautes, qui aussi, parmi il y en a beaucoup d'électeurs, pour être capable de prendre la décision qu'ils doivent voter le 10 novembre 2024. Bon, bien sûr, tout cela est fait avec un débat d'idées pour capable éclairer ou pour capable faire un assessment de la situation et pour guetter où si vous souhaitez la continuité, basant le sa 5 dernières années-là sous la gouvernance du gouvernement Sautankena, ou soit si vous envie endosse le changement qui semble-t-il peut profiler un petit peu à l'horizon quand nous guettons un petit peu le paysage politique. Et aujourd'hui, le thème qui nous pour aborder, c'est un thème de très très haute importance. L'IFIN prend une proportion exceptionnelle. C'est bien sûr le Moustache Leaks, qui est là dans le domaine public. Nous trouvons une série de bandes sonores qui montrait qu'il y a un phone tapping dans Maurice qui fait un choc tout du monde. Et nous finissons trouver que ça finit démarrer par une conversation qui finit record de une personne de l'opposition. Par la suite, nous finissons trouver aussi un journaliste. Mais après, nous finissons trouver un homme du gouvernement même qui occupe un poste de responsabilité au niveau des institutions, au niveau du sommet de l'État. Et nous finissons trouver surtout beaucoup de monde qui concerné. Nous finissons trouver un cover-up, nous finissons trouver un complot, une conversation très très inquiétante. Même il y a une conversation entre un statesman avec l'ambassade britannique. Aussi, il y a le commissaire de police qui est très très concerné. Il y a une allégation qui peut faire de cover-up. Il y a une conversation avec un ministre, avec les autres monde qui autour. Aussi, un citoyen qui est très très choqué par ce qui peut passer. Au-delà de tout ça, ce qui est plus choquant, c'est que nous avons tout le temps pensé que ça allait dérouler dans un film Hollywood ou même Bollywood, quand nous trouvons un peu tape ben du monde, peu écoute d'autres conversations, pousser track ben du monde, pousser extraire ben l'information. Ça amène nous à croire que ça nous peut trouver à Maurice. Ici, il peut faire, mais surtout, il peut venir dans le domaine public comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde peut réfléchir à qui point le citoyen est protégé, parce qu'il nous supposait être protégé par la Constitution. Nous pouvons rappeler qu'il faut un tapping illégal dans un contexte très 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 bien défini dans un, pour faire un tracking mais bizarre un load de la cour, donc dans un contexte très très bien défini, mais là clairement fin vraiment nous capables de dire empiète le tout ça une liberté individuelle et collective qui un dimon lié dans là. Et pour nous discuter l'un de ces équipes aussi important que ça, nous avons le plaisir pour nous accueillir le nouveau plateau Alain Malherbe, qui est un membre du Parti travailliste et un citoyen très, très engagé, qui est amoureux de l'écologie. Nous connaissons sa contribution qu'il a menée depuis plusieurs années, surtout dans le contexte de Wakasho et une série de contributions des naufrages, des dénonciations, Gaëtan Duval, et on a déposé tout ça, une plusieurs petites choses. Et aussi, nous allons dire qu'il est directement concerné par sa bande qui fait une release là, Alain Malherbe, notamment dans le cas d'une madame, etc., qui au niveau, travaille au niveau du pot. Donc, merci et bienvenue au plateau, Alain Malherbe. Bonjour à toute l'équipe de Rising Ocean et à tous les auditeurs de votre programme. Merci, merci. Donc, Alain Malherbe, nous pouvons un petit peu le phone tapping, un petit peu ça qui est très choquant qui peut arriver là. Nous pouvons aussi un petit peu qui manière ça les concerne ou directement quand on apprend ça et qui ou sentiment l'eau là. Et aussi, nous pouvons un petit peu et, en termes de changement, quand nous guettons, c'est une violation, pas juste à la vie privée, mais à tous les niveaux, lui paraît-il, qui, je vous dis, la confiance même, lui peut effondrer en ce qui concerne l'État mauricien et nous reste assez bête qui. Le ministre de l'Intérieur, le premier ministre qui est vraiment responsable de la sécurité nationale, même il peut paraître, il peut dire aussi AI, il nous pouvait un petit peu là. Donc tout d'abord, qui au premier commentaire l'eau, sa bande qui peut circuler là? Bon, mon premier commentaire, c'est un peu pour reprendre ce qui vous fait dire. Moi aussi, moi, je pensais que Zisdoman, film Hollywood ou Bollywood, qui trouve sa qualité action là, venant du plus haut sommet de l'État. Réaliser et avec effroi que la République de l'île Maurice n'est pas à l'abri de ce genre d'actes malveillants qui mettent, à mon avis, la sécurité de notre État en jeu et qui mettent aussi toute la population, la nation mauricienne,
dans un état de détresse, de peur, d'angoisse, parce que nous réalisons qu'aujourd'hui, nos populations, 1,3 million de Mauriciens, combien d'entre nous maintenant qui nous écoutent, qui finissent enregistrer nos bonnes conversations, qui finissent capturer nos bonnes photos privées sur WhatsApp ou sur autres devices, et c'est effrayant, ça fait peur. Oui, définitivement, vous pensez pareil comme tout Mauricien, allez, allez, vous êtes très, très choqué par ça, par ce qui peut passer. Mais le timing, hein, nous trouvons qu'il s'est un petit peu dans la foulée, à la veille des élections. Est-ce que le timing aussi fait ou réfléchit qu'il y a un agenda derrière? Non, le timing n'est pas vraiment réfléchi, n'est pas vraiment posé une question, trop de questions, parce que nous dans une période préélectorale, nous dans une campagne électorale, et nous connaissons qui tout bon adversaire pour servir tout ce qui tombe de la main pour contrer justement ce bon opposant. Il n'est pas fait moi, il n'est pas, surpris, mais m'a quand même choqué par la teneur, par bonne conversation qui nous tendait de sa bonne leaks là. Maintenant, si nous cause timing, bon, on connaît, il y a beaucoup de monde qui finit associé ça, Monsieur Moustache, à Sherissing, et beaucoup de monde disait que c'est sûrement lui, pendant qu'il était à l'époque de Mauritius Télécom, qui venait faire ça. Parce que, autant que je me rappelle, les mêmes, ils me disaient que l'on quitte Mauritius Télécom en juin 2022, et sa bonne conversation là Et date la date d'avant. après juin 2022. Bon, ça c'est un argument comme un autre. Et ensuite, et non, le fait aussi que le jour que Sherissing rencontrait le docteur Lavigne Rangoulam, Oui. le même jour, ça m'a été placé au titre, me trouve-t-il beaucoup de coïncidences pour capable croire que c'est propulsé par Sherissing. Mais de l'autre côté aussi, ça pourrait aussi être Sherissing, juste pour Kibandjimoun dire, mais bon, il n'est pas capable de faire ça le jour qu'il est jeune docteur Rangoulam. Donc, moi, pas pour dire qu'il est Sherissing ou pas. Mais je crois qu'avant de nous porter un jugement pour nous démasquer qui est le personnage derrière M. Moustache, nous bisons rappelle un peu tout ce qui est passé dans nos pays au niveau du pouvoir. Nous finissons trop un crime qui, jusqu'aujourd'hui, nous reste impuni. Nous finissons trop un crime qui finit déguisé en suicide. Nous finissons trop une disparition, un démon qui meurt pendu avec lavabo. Nous trouvons beaucoup de faits qu'il faudrait nous garder en tête avant de nous porter un jugement sur l'auteur éventuel ou la personnalité éventuelle qui se cache derrière M. Moustache. Il y a une petite chose très importante qui a dit qu'un indien dans un meeting qui tient à Saint-Pierre de l'Alliance du changement, il dit oh, comme ça, quand un monde peut montrer où la ligne, ou bien concentrer où est la ligne, on pas de monde qui peut montrer où la ligne. Et vous parlez sur les doigts. Oui, on baguette sur les doigts. Exactement. Donc, en d'autres mots, c'est le contenu qui est plus important. Et le Exact. contenu, il paraît très, très accablant. Alain Malherbe, quand nous guettons, il y a un dîmoun qui dans les girons de l'État, qui autour, qui directement concerné le commissaire de police, ou il y a un ministre, ou il y a un ancien, ou il y a un dîmoun qui gravite autour du PMO, qui tient la tête d'une institution. Nous trouvons ben quelqu'un qui. L'ambassade. Ben l'ambassade aussi, qui lui paraît, en termes de diplomatie internationale, c'est un pavé dans la mort, nous capables de Mais dire, pour la justement, réputation. hier, on écoute ça, la Chambre des communes en Angleterre, raise the issue justement. Et Oui. ça finit être un débat au niveau de la Chambre des communes hier. Et maintenant, moi, côté de l'opposition, Angleterre, hein, je peux mettre, remettre en question une négociation saine qui est capable de finir dérouler, justement, pour amener à ce renouvellement du bail de 99 ans Oui. encore. Est-ce que pendant cette négociation-là, est-ce que ban notable anglais, ban député anglais, ban ministre anglais, ban l'eau écoute? La question reste posée, hein? La question reste posée. Même si la partie gouvernementale hier, il vient réfuter, fin dire que la bande sonore qui nous sortit concernant l'ambassade anglaise ici, ça date de 2022, ça ne veut rien dire. Peut-être que les écoutes ont continué pendant les négociations Certainement, du bail de Diego. Donc, c'est toute une ramification qui peut arriver à nos pays, qui fait, nous, quand même, pose-nous énormément de questions. possiblement, parce qu'il n'est pas une question qui avant, qui après, parce qu'il n'y a pas aucune garantie qu'il savent faire là, pas peut continuer. Ça, Exactement. il y a un souci de taille. Aussi, Alain Malherbe, quand nous guettons, avant nous, Alain Tchipelou, les autres protagonistes qu'il a, mais. ou directement lié au Oui, moi, le collecté, au cité, au protagoniste. monté, ou un protagoniste, ou un.
Nous avons cause film, nous avons cause bande d'industrie film, mais vous n'avez pas là-dedans, on a des films. Moi, je suis moi aussi, je vais un award bientôt. En fait, quand ça est sorti, vous connaissez, moi, quand je suis avec ça, je suis content, prends-le avec un certain recul. Je ne parle pas comment dire, focus sur, dire ouais, ça. Mon envie que tout le monde soit ensemble. Première bande qui m'ont trouvé, je ne connais pas, je connais, je suis télévision, un camarade téléphone, je dis, moi, je vais envoyer une vidéo, là, je vais faire un coup dans le noir. Oui. Je dis, c'est moi, je vais quelque chose. Je dis, mon bébé, tu trouves ça. Je dis, ah bon? Et là, je trouve les autres qui commencent à défiler. Je commence à réfléchir, je me fais une écoute de divers politiciens qui nous tendaient dans sa main d'enregistrement. Oui. Des ex-premiers ministres, des exactement, plan, exactement. Et je tous qu'aujourd'hui, ils viennent confirmer, et même hier soir, M. Kassamoutine, sur les ondes de Radio Plus, ils viennent dire que la conversation qui touche un de ses bannes proches, oui, il certifie que c'est vrai, parce qu'il est au courant de sa conversation-là. Ah, okay? Donc, tous les autres bannes de l'opposition viennent confirmer qui sa bande conversation-là, réelle, genuine. Et au-delà de ça, on va dire pour moi, il n'a plus beaucoup d'importance, mais quand on get la bande sonore qui me concerne, quand on écoute ce qu'il vient dire là-dedans, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que ce complot-là, il vient concrétiser dans la réalité. Donc, on ne peut pas trouver comment les deux protagonistes qui peuvent discuter de sa bande sonore-là, capables aujourd'hui de dire que c'est AI, termes. Ça. Il n'est pas possible. Et maintenant, au cours de la conversation, autant le commissaire dit tousser, bon, d'accord, AI pour tousser. Oui. Les temps, il cause la Mauritius Port Authority, quand il peut cause le board, il peut cause le charter of the board, il ratit, il y a charter, et il rectifie, il y a charter. AI, pas qui peut faire ça. Donc, pour moi, on arrête de dire des voix allégué au commissaire de police. Il cite même la loi qui est là dans Mauritius Sports. À côté, il y a une faille qui peut essayer de trouver pour coincer la dame. Oui, exactement. Oui. Et moi, je dis voix alléguée à Manish Gobin. Moi, je dis ce sont les voix du commissaire Deep et de Manish Gobin. Mm-hmm. Et moi, je profite de l'occasion aussi pour dire qu'il me fait envoyer ça va un échantillon de voix là à un expert étranger en analyse de voix humaine. Okay? Bien évidemment, il coûte un petit peu cher, mais me tenir à faire cette analyse là. Et dès qu'ils m'ont gagné le rapport, pour rendre public le rapport, personne n'est pas sûr. Après, qui vous dit, c'est effectivement les voix de ces gens qui paraissent dessus-là. Donc, c'est bien, bien grave, parce qu'il ne faut pas oublier que ce complot-là amène à mon arrestation en avril 2024, et qu'au Parlement, il y a une question qui est posée au Premier ministre, le sujet d'ensemble, hein, c'est-à-dire la suspension de Mme Aruna Benouari Ramsaha, et en plus, sur mon arrestation, et le Premier ministre, il dit que la police, il y a une preuve qu'effectivement, Mme Benouari Ramsaha, il me donne moi ben l'information, et que au fin arrêté justement parce qu'il est en possession d'objets volés. Possession of stolen property. Donc là, il est clair et net que la police fait mislead le Premier ministre, et le Premier ministre, lui, au Parlement, Livinbin mislead malgré lui, moi je dis bien malgré lui, parce que le Premier ministre n'est pas poil vérifier un rapport que la police lui fait confiance à l'information de son droit. Okay? Donc à son tour, malgré lui, Livinbin mislead la population. Ça ne nous appelle pas vrai. Les deux documents qu'un cadre de la NPA, le CCI, il peut dire, qui nous prend, qui objet volé, qui nous prend de la NPA, qui nous publie, ça, deux documents-là sont deux lettres qui se trouvent dans un certificat du IAE. Qui se trouve sur le site de EDB. Donc, ce sont des documents publics, accessibles à tout. Avant mon venir là, mon rechecker encore, ben, le document là, encore toujours sur le site de EDB. Donc, autrement dit, mais ça complète une faire. Il dit bon, j'ai envie de tous Madame Benouari, je te servis moi comme scapegoat, mettre une sauce provisoire au moins, c'est-à-dire atteinte à ma liberté, vine salir moi pour tous un lot du monde sur des preuves qui pas tenir des bouts. Donc, c'est de. Si ce n'est pas de la dictature, c'est quoi? Bien sûr. Et il semble-t-il aussi, Alain Maliev, qui, depuis un bon bout de temps, nous a dit qu'on monte au créneau avec plusieurs dossiers, le Wakacho, nous avons la sécurité maritime, sécurité de la région, etc. Dénonciation au niveau de mauvaises conditions qui sont là autour, l'équipement, l'accident qui finit là, quelque chose qui va arriver en cours. Donc, vous sentez aussi, c'est une forme de répression envers vous aussi. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net, nous réaliser qu'il y a une cible pour victime du système. Victime du système et cible du pouvoir en place. Et ça,
Je pourrais dire encore une fois, quand tu adhères au poste travailliste, tu as bien sûr une rencontre avec le docteur Narine Rangoula, et il étudie à moi les affaires qui aujourd'hui m'ont trouvé, tu as vraiment, vraiment raison. Il étudie à moi, tu as déjà une cible pour le gouvernement. Maintenant que tu rentres dans le parti travailliste, tu reviens encore une cible Plus encore. plus importante pour toi. Aujourd'hui, nous trouvons que le docteur Narine Rangoula, il n'a pas parfaitement raison. Est-ce qu'il est facile, par exemple, à l'Emalia, pour vivre dans un contexte pareil, dans la Écoutez, vie quotidienne, la vie de tous les jours? Des non. fois, il y a beaucoup de militants, ben, des gens qui amènent un combat, ben, peut-être qu'il ne faut pas assez poser de sa question-là. Comment Non, ressentir? moi me pose moi la question tous les jours que Dieu donne et me remet moi en question très souvent. Des fois, me dire, moi, je fais une carrière de 45 ans dans les domaines maritimes et portuaires, moi, je prends ma retraite, moi, je tiens une société qui me lègue à mes enfants aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire moi riche, mais bon Dieu, il bénit moi, j'ai suffisamment d'argent pour vivre. Mais qui moi fatigue moi Oui. avec à la guerre, à l'eau coltor, avec le risque de me faire arrêter encore une fois, avec le risque qui me demain après-demain me disparaît tel carocan, mon écho brûlé. Moi, il va vu ce risque-là tous les jours. Mais de l'autre côté, me dire que si nous tous nous-mêmes citoyens, nous dire mais non, mais ça fait nous perdre, nous pas faire non, rien. Pas pour nous, ou pas pour nous, ben, tout cas nous journalistes. Qui est au terrain, qui peut dénoncer, en tout cas, été scandale, pas pour nous. Donc, à ce moment-là, nous pouvons à la peau grande à toutes sortes Vous voulez un d'abus, boulevard pour pour... un boulevard, pour à toutes sortes d'abus, et le peuple sera harcelé, ce sera l'anarchie totale dans la République de l'île Maurice. Donc, moi, me dire, moi, gagne l'expertise pendant 45 ans, et voilà. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait mon rentre dans la politique. Vous dire, vous mettre mon expertise au service, premièrement, de mon pays à travers mon parti. C'est quelque chose de tout à fait naturel, légitime, qui aujourd'hui, étant donné que moi, la retraite, mon cas donne mon pays, parce que mon pays, tellement de moi. Maintenant, c'est à mon tour de donner ce qu'il m'a fait connaître, ce qu'il m'a fait apprendre pendant des années, jusqu'à qu'il mon tour arrive pour prendre cela pour moi aller. Tout à fait. Moi, penser qui entend, qui compte sur ce pays, qui compte sur patrie. D'ailleurs, nous retrouvons, nos pays, nos priorités, c'est un aspect, nous prenons un volet politique tout à l'heure quand nous terminons en Émalière. En termes de ben, protagonistes qui sont là-dedans, autres qui où, nous trouvons les commissaires de police, est-ce qu'ils sont choqués par la position du commissaire de police? Ou pensez qu'il paraît comme tout le monde, beaucoup du monde peut dire, d'utiliser un step down pending. Écoutez, pour moi, Inquiry. définitivement, la raison principale qui fait me penser, type un step down, c'est que comment pour faire une enquête, Oui, comment la police pour c'est... faire une enquête, qui c'est là qui va l'enquête, le commissaire dit. Je ne peux pas trouver qui c'est là pour faire. Donc, toute enquête qui est la police pour prétendre démarrer l'eau, sa bande sonore-là, c'est une enquête qui n'a aucun sens, qui est inconsistante, n'a aucun sens. Nous pas qu'à faire de la police, enquête de la police. C'est Oui. une des bonnes raisons qui fait, au final, le code IPCC, pour elle donne une déposition contre le commissaire DIP. Et maintenant, lundi, on a un rendez-vous avec CCID, qui m'a réussi gagné enfin. Je vais faire un further statement dans lequel maintenant on dénonce l'implication de M. Manes Gomis dans l'enregistrement-là. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'IPCC est vraiment indépendant? M'étonne beaucoup quelque chose là, Oui. mais qui recourt, qui menace? Il n'y a pas un autre recours. Donc, nous visons, passe pour un channel qui existait, nous guettons ce channel-là, je tiens à cette raison d'être. Et après, éventuellement, si les choses ne bougent pas, vous pouvez trouver autre chose. Mais me pensez, moi, que en toute justice, il ne faudrait pas nous donner la police, le ben, pouvoir comme la police. Et non, aujourd'hui, nous, en tant que citoyens qui travaillent pour payer le salaire des policiers, me pensez, nous gagnons droit à venir dire des affaires qui nous lancent contre les autres. Bien sûr, en restant dans la limite du respect mutuel. Nous pas, moi pas vous faire comment le commissaire dit, nous pas prendre le langage odieux et vulgaire envers qui que ce soit. Non, dans le respect mutuel, moi pensez qu'en tant que citoyen de la République de l'île Maurice, c'est notre devoir de venir de l'avant, de discuter avec ceux qui sont payés pour nous servir, pour nous protéger et pour assurer qu'il y a law and order dans la République de l'île Maurice. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a trouvé en ce moment. Parce qu'il nous finit trouver un mot d'homme et nous t'amène une conversation très très claire d'un officier de police qui peut communiquer avec
le commissaire de police, ou fin dire, ou même un langage aujourd'hui, mais aussi nous trouve capable d'enflammer le pays. Ou peut comprendre qu'il m'a dire, on a un thème qui est vraiment très très grave. Et Dan Maurice, quand nous pécose, se dit la République, ben, je pense qu'il y a une affaire qui est très grave. Ceci étant dit, Alain Malherbe, vous profitez de l'occasion, étant qu'il est un expert en maritime, et vous êtes très omniprésent dans Wakasho, et aussi vous dénoncez une série de faiblesses, de lacunes qui sont autour de boîte qui occupe cette chose-là. Est-ce qu'il valeur du jour, ou senti qu'il nous peut améliorer en termes de sécurité maritime, ou pensez qu'il n'est pas à l'abri de l'autre Non, Wakasho? non. Ce qu'ils me disent tout le temps, et me disent, moi, je ne suis pas du monde qui est content de faire une allégation gratuite. Je suis content, comme on dit quelque chose, me soutenir par des preuves et des faits qui ne peuvent pas être contestés. Le Wakasho me fait expliquer en long et en large, et de tout y trouver, et que pour moi, c'est la National Coast Guard qui est le principal responsable du naufrage du Wakasho. Maintenant, qui est le responsable du oil spillage? Pour moi, quand je regarde ben, la loi, par exemple le Merchant Shipping Act, pour moi, Oui. peine à pour sortir là, c'est le directeur shipping qui est responsable du oil spillage. Et le gouvernement, bien évidemment. Pour répondre à votre question, moi, je peux dire non. Après 4 ans du premier naufrage du Wakasho, aucune leçon a été retirée. Moi, je fais le décompte, 10 ans de règne du MSM, 10 naufrages. Donc, à la raison d'un naufrage par an. Jamais aucun gouvernement, quoi, à l'île Maurice, même de par le monde, fin gain un aussi joli score en termes de naufrage. Il ne fallait pas l'oublier, il y en a 4 naufrages qui sont arrivés sur les côtes de Pointe-au-Sable. Oui. Il ne fallait pas l'oublier qu'il y en a une semaine de naufrage là, 48 heures avant. Moi, je prévenir la tour de contrôle de Port-Louis et la National Coast Guard. Moi, je dire que ce bateau là, trop près de la côte, je suis écarté, nous prenons naufrage. Le lendemain, fin gain naufrage. Donc, le problème, c'est qui, ben, l'autorité à l'île Maurice, c'est général ça. Hein? Je pas pour écouter ce qu'un citoyen peut dire. Je tendance, je réaction, laisse-y connaître, laisse-y causer, habiter, blaguer ça, et pas voir les comptes. Voilà. Mais bon, moi, ce n'est pas comme ça que je peux découragement. On me trouvait, ou même, malgré tout ce qui est arrivé, me continuer On finit régulièrement, toujours résilient, dénonce, résister. dénoncer. Et moi, je fais une remarque aussi qui me faisait dire un résultat. Que peut-être beaucoup de gens pas réalisé un résultat qui m'ont réussi à atteindre. Si demain le temps, Bien sûr, mais bien sûr. brièvement. Par exemple, comme nous tous nous connaissons, nous de l'eau territoriale, 12 000 des côtes. Oui. Okay? Si on prend Belmar avec. En fait, quand nous mettons l'eau côte, nous trouvons une ligne rose autour de Maurice, c'est la limite. Quand on prend à l'est, on prend Belmar avec la limite de la ligne, il fait 12 000. Souillac avec la ligne 12 000. Flic en flag avec la ligne, il fait 12 000. Mais quand on prend 4 malheureux avec la ligne, il fait 24 000. Qui fait? Parce que nous, de l'eau territoriale dans le nord, il n'est pas commencé avec 4 malheureux. Il commence à partir de l'île aux serpents, c'est-à-dire la partie de terre la plus avancée sur la mer. Ah, ok. Si on prend l'île aux serpents et qu'on mesure ça, la ligne qui passait là, il fait exactement 12 000. National Coast Guard, pas de comme ça. Elle a fait aussi basique qui Vous n'êtes pas de connaître. Tout bateau, tu peux passer là. Les temps commencent à causer, causer, causer. Maintenant, moi, j'étais tous les jours, tout bon bateau fait le tour, je passe en dehors de ça. En termes de jugement, ben, si je te juge, je ne suis pas un expert dans le maritime, ben, mais il y a une grosse erreur, hein, par exemple. Mais il y a une grosse Il est erreur. capable de Ce qui est faire même. plus grave, ce qui est plus grave, c'est que le fort de l'île Plate n'a pas fait fonctionner depuis maintenant 18 mois. Et tous les jours, Mauritius Radio, qui est basé à Cassis, qui est un département de Mauritius Télécom, lui émet un warning message à tout le bateau pour dire que le phare de l'île Plate n'est pas fait fonctionner, il est temporarily out of service. Ça fait 18 mois qu'il est out of service. Donc, quand le bateau passe là, c'est encore augmente le danger, encore augmente le risque qui demain après-demain, sous une fausse manœuvre, nous gagnons le naufrage encore. Mais maintenant, vous le réalisez, à force qu'il m'a acharné l'eau là, vous trouvez le bateau et puis passe là. Donc, au moins, on achieve quelque chose. Mon pensée liée, quand on peut cause sécurité nationale, sécurité de la région, parce qu'il y a un expert dans le domaine, je trouve important qu'il nous aborde un petit peu ce sujet-là pour nous gagner une émission un petit peu plus large. Et là aussi, quel problème là est venu à Alain Malherbe? Est-ce qu'il y a un problème d'équipement, un problème de manque de volonté ou de vision politique? Ou le bas blesse, quel problème là? Non, écoutez, bon, je vous dis une seule affaire. Moi, contre moi, moi, non, comment tout le monde appelait, marine trafic. Oui. Ok, n'importe qui, c'est un citoyen,
à la Marine Traffic et qui a trouvé le bateau. Mais le problème, si vous ne prenez pas un abonnement de Marine Traffic, vous limitez le bas de l'information. Okay. Moins que l'abonnement qui est moins énorme, vous pouvez avoir sa vitesse, sa direction, sa route forecast, vous pouvez déduire en avance quand vous pouvez passer. Okay? Okay. Coast Guard, dans ce operations room à Port Louis, il y a un équipement bien plus sophistiqué que ça, qui permet de trouver au-delà de ce qu'ils m'ont trouvé, moi. Mais si moi, je peux trouver, par exemple, dans la région de Agaliga, et de ban pirate Pédapès, parce que je trouve un bateau avec un pavillon Afghanistan, Azerbaïdjan, iranien, même Vatican, je trouve, oui, oui. Qui n'est pas normal, je continue de mettre un post sur Facebook, mais que je ne vais pas le checker. Si moi, je peux trouver ça, c'est bien de trouver les aussi. Yes. Et dans un bateau, le 1er avril 2023, bien plus gros que le Waukesha, les films approchent avec pour lui à 2000 nautiques. C'est bien grave. Coast Guard, pas fait une trouble d'y arriver. Moi, 2000 nautiques veut dire qu'il est trop près là? Il est trop près. Ah, okay. Il est trop près. Quelle est la distance parce que, qui nous sert? Parce que la limite portuaire à partir de l'entrée du port oui. fait 5000. Okay. Ça vient dire within port limits. Oui, oui. Personne ne peut trouver d'y arriver. D'après ce qui Coast Guard dit, je fais une sortie dans l'appel bateau là. Batola pas de répondre la radio. Je me suis appelé le téléphone satellite. Quelqu'un qui a deux comme ça. Je ferais mon mot pas pour vous celui. Batola ne coupe dans quoi y aller. Mais pourtant, le EIS, oui, oui. sa destination, tu mettais pour lui. Ah. Ouais. Maintenant, l'étant dit, il coupe à gauche y aller. Coast Guard, quitte lui. Mm-hmm. Il fait les tours, il y a dans le nord de Maurice. Il reste stationné à 25 000 de Cap Malheureux pendant 4 heures. Auquel Coast Guard pas checké. D'après vous, qui a fait dérouler là, nous spéculons. Moi, je spécule, je dis la drogue. Mmh. Moi, pas content, spécule la drogue. Oui. Mais là, étant donné qu'il nous peine dans l'explication, oui, oui. qui va de là vous faire là? Oui, oui. oui. À moins d'avoir une réparation, il est pour lancer un. Si tu as une réparation, il te vient d'ailleurs causer la tour de contrôle, oui. causer de cause grave pour dire bon, moi, j'ai un problème moteur, réparation, moi, j'ai un quelque part. Ok. Là, mon recherche radio, tu peux lancer un warning. Pour dire qu'il y a un bateau qui a arrêté telle longitude, telle latitude, les notes under command, oui. pour faire connaître que le bateau est capable de dériver, à l'attention des autres bateaux qui naviguent dans la région. Pas fini tout cela. Oui. Donc, ou peut dire moi, je pense qu'il y a un problème de training, de conscientisation et de management de la National Coast Guard. Qui relève aussi d'un manque de volonté politique aussi, parce qu'il nous connaît. Mais écoutez, la volonté politique, comment me dire où? Moi, je n'ai rien contre un étranger, quelle que soit la nationalité. Okay? Mais je ne trouve pas décent qu'ils mettent tous les deux ans un officier indien à la tête de la National Coast Guard, quand on a un officier mauricien. Je dis mauricien qui est né dans Maurice, qui n'a l'expertise, la capacité de diriger la National Coast Guard. Vous connaissez, quand vous êtes chef d'entreprise, quand ou pas nationalité, ça pays que vous pouvez travailler là, vous êtes capable de dire que vous pouvez dévouer ou pouvez justifier le salaire que vous pouvez gagner. Mais au fond de vous-même, vous pénance la flamme mauricienne. Oui. Il n'est pas pour pareil. Même si vous êtes un monde consciencieux ou envie d'élever, il n'est pas pour pareil. Il vous manque sa petite bout de flamme qui peut faire agir pour où la patrie. Et c'est ça qui est le plus grand défaut de la National Coast Guard. Donc, très choqué. Et en la manière, pour tout ça, ben, l'information là qui est très très importante, vous pensez bien internet pour vraiment noter ça, ben, affaire là, parce qu'il y a d'intérêt national, tout ce qui nous peut causer et ce qui nous peut discuter. Et aussi, envie fait une petite parenthèse, je connais ben émission nous faire, des fois nous creuser parce qu'ils ont bien une discussion intéressante. Mm-hmm. Nous trouvons aussi un problème au niveau météo. Hein? Nous trouvons qu'il finit arrive l'ex-directeur de la météo dans un cercle. Et là aussi, nous trouvons qu'il paraît qu'il y a un benzéma, si manipulé, on rappelle qu'il mm-hmm. si vous pouvez comprendre, qu'il me dit. Donc, Maurice, globalement, Alain Malherbe, nous avons un problème en termes de prévention. Si nous sommes là, en termes de sécurité pour protéger les gens sur une data personnelle, tout le monde peut venir un data subject. Nous trouvons bateaux qui rentrent dans le brisant pour écraser partout. Nous trouvons un problème, nous ne pouvons pas connaître, nous donnons des règlements climatiques qui on comprend très bien. Si qu'il y en a parce qu'il y a des gens la mer, donc on maîtrise ça même donné là. Nous avons un problème en termes de synchronisation dans nos pays. Et où sont-ils qui ça dernier 10 ans là? Parce qu'il y a des gens qui sont passés comme un radar. Il ne faudrait pas oublier que quelque temps après le Waukesha,
le ministre des Finances, Steven Yeun, m'a continué 11 milliards de dons avec le gouvernement Japon, japonais oui. pour installer Ban Coastal Radar Surveillance. Oui. Écoute-moi la radio. Oui, pas de nom, est-ce que Pena. La station de la National Coast Guard, qui est à Pointe du Diable, la plupart du temps, son radar en panne. Moi, mon allée, ban citoyen, téléphone, mon diamant, mon prend mon auto, mon assure place, mon guetté, son radar qui tournait là, au papier tournait. Donc, Côte Coastal Surveillance. À Agadegan, maintenant, un poste de National Coast Guard, il aussi appelle Coastal Radar Surveillance Post, NCG. Son Oui. radar n'a jamais tourné, et Oui. le poste de la National Coast Guard, là-bas, il est vide, il n'y a personne, il est désaffecté. OK. OK? À Grigri, c'est exactement la même chose. Son radar n'a pas tourné. Donc, c'est quoi la surveillance? Moi, je vous dis, franchement, énorme ban officier Coast Guard, dis-moi comment je critique Coast Guard tout le temps, tout le temps. Je critique Certaines sensibilisations, on a l'institution. Je oui. critique Pas les l'institution, gens. je ne pas critique ban du monde, ban humain qui est là-bas. Parce que énorme Coast Guard, il nous a dit à moi, monsieur Malem, mais comment on trouve tel bateau là-haut? Je me dis, mais comment on trouve? Je me trouve, tu dis, je me trouve. Je dis, qui fait? Je dis, moi, nous, l'autre, pas trouvé. Comme ça, ben, ils nous pèsent avec l'avenir du Je me pays, dis, là, où? parce qu'il est dangereux. Get dans la commission de la drogue du juge Lamsamling. Oui. Les films donnent une série de recommandations qui manière pour contrôler le trafic maritime autour de Maurice. Ben, une recommandation super, super, Oui, super importante. motivé Entre avec là. autres, Oui. c'est créer une marina autour de Maurice qui peut gérer par la National Coast Guard, Oui. prenant un better control autour de Pleasure Craft. Et ça propose sa recommandation du juge, de la commission, des films approuvés par le commandant de la NCG et par le portmaster d'alors. Donc, Okay. c'était quelque chose d'établi. Qui Oui. va le mettre en place? La commission t'y recommandait tout ban bateau qui est dans une licence de Outer Lagoon, c'est-à-dire qui traverse Calan de Haut, je t'ai obligé in un tracking device, comment le AIS. Vous pouvez simplement le AIS, pour ban du monde connaît, c'est Automatic Identification System. Tu fais ça obligatoire. Je dis, mais non. Je trouve ban bateau sorti à Outer Lagoon, les temps que je le marine trafic, je ne trouve pas. Donc, ça veut dire que je ne peux pas aller dans notre AIS ou je paye dans notre AIS. La Mauritius Tourism Authority, je rencontre M. Mauvin, je discute avec lui, et il admet que c'était le moment pour la Tourism Authority faire un control room pour capable, Monito, tout à ben. partir de mon AIS qui se pourront obligatoire, l'eau tout mon bateau qui est licencié par la Tourism Authority, je pourrais faire un contrôle le mouvement tout mon bateau. Le contrôle, si vous faites conjointement entre la Tourism Authority et la National Coast Guard. Écoute, tu as tout le contrôle là. Mon copier à tonne. L'État me pose question, que je dis à moi, je dis moi, besoin d'un certificat IAD pour faire tout le contrôle. Et Alors, là, tout ça, c'est une recommandation oui. qui fait partie de la commission sur le trafic de drogue qui n'est pas fine. Qui n'est pas fini de mettre en application du tout. Et c'est que plus important, le juge, la commission, te dit que nous devons faire un traffic lane Oui. pour tout un bateau qui peut approcher de Maurice. Vous êtes obligé de suivre le traffic lane là et positionner un bateau Coast Guard le long de ce traffic lane là pour assurer que le bateau peut suivre les règlements. Quel traffic lane était? Zéro. Et Et là. pas oublier le rapport date de 2018. Nous en 2024, 6 ans déjà. quand le premier ministre vient dire qu'il combat la drogue, qu'il y paie la guerre, qu'il y casse les gains, ban baron de la drogue, mais moi, on a un grand point d'interrogation là. On cite commission la drogue, Oui, Charles Lim, qui est extrêmement important et intéressant. Par contre, on trouve comment dire, finalement, pick and choose, et une mesure fort là-dedans, c'est, on connaît, au niveau des SIM cards et tout ça, pour traquer, comment dire, ben, trafiquant la drogue, etc. Qui où stand où l'enregistrement SIM card, qui, bon, là, nous pète un même jugement au niveau. Écoutez, Parce que, est-ce que ça aussi, il y a une sortie capable d'un outil pour aller espionner même aussi? bon, dire, franchement, moi, l'opinion, là, si nous sommes dans un pays vraiment démocratique, côté d'un gouvernement qui respectait sa population, Oui. moi, je peux dire, oh, oui, il y a une bonne mesure. Il y a une bonne mesure parce qu'il y a une déterrence au trafic de la drogue. Ou capable d'un contrôle de chaque SIM, ou localiser chaque SIM côté. Mais avec ce gouvernement actuel-là, moi, me dire, l'enregistrement des cartes SIM, ça a été fait exprès pour capable traquer ban opposant du gouvernement. Pour moi, c'est clair et net. Donc, pour le moment, sous le régime MSM, me considérer que l'enregistrement des cartes SIM, c'est contre les intérêts de la population. Ce n'est pas dans l'intérêt de la population et ça n'a pas aucune incidence sur le trafic de la drogue.
Parce qu'il ne fallait pas nous dire, juste ça l'enregistrement Mancard là, qui bovine, arrête trafic de la drogue dans Maurice. Oui. Et non, tellement de steps qui nous bizarre prend, oui. qui nous pas prend, qui est capable justement, on ne peut pas dire éradiquer ça, mon coin, on ne peut pas dire difficile. Dans aucun pays au monde, je n'ai pas fait une récit éradique le trafic de drogue. Mais c'est une mesure qui est capable, qui participe dans le ralentissement du trafic de drogue. Si bien utilisé, bien si sûr. Bien utilisé. Bien mais là, il faut utiliser à mauvais escient et je ne pas d'accord avec lui. Non, je trouve qu'il est très important ce qu'il peut dire parce qu'il oui, a tout. Nous connaissons comment la drogue rentre, hein, soit par la mer, soit par les airs, hein, comme on nous dit. Ali. Mais c'est un problème autour de la sécurité maritime. Même. Donc, déjà, là, la bataille est déjà perdue. Et en termes de. Nous retournons un petit peu au phone tapping à l'Emmanuel. Quand nous guettons sur tout ce qui finit de passer là, depuis des trois jours, est-ce qu'il vous sentit ou qui. Le Premier ministre peut dire au AI, même quelque chose comme ça, mais ben, technologie pareille. Est-ce qu'il vous sentit ou qui est capable d'être vraiment manipulé à ce point-là ou ça peut être quelque chose de honnêtement, je ne crois pas qu'il AI et je ne crois pas qu'il AI a manipulé à ce point-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts en informatique, d'ingénieurs en informatique, ils ne disent pas capable. Ils ne pas capable. Ils disent oui, il est capable de cause créole, mais il n'est pas capable de gagner ça. Vibration oui. De où est moi oui. la population quand nous cause nous créons n'est pas possible parce que AI qu'on nous connaît c'est une affaire artificielle ce mot dit elle est artificielle oui. tandis que nous pas artificiel naturel okay. nous naturel donc non c'est pas du AI mais comment au fin lève une déclaration du Premier ministre concernant ça manière là moi il y a une affaire qui me vient dire et qui me continue de répéter concernant une déclaration du Premier ministre le Premier ministre il vient dire comme ça que ban dimoun qui ne sentit d'autres lésés par sa ban ce nom là par exemple ban député de l'opposition et moi-même évidemment les journalistes et tout le reste donc c'est à nous qui sentit nous blessés ou attaqués dans notre vie privée c'est à nous de venir prouver que c'est vrai mais c'est pas correct monsieur le Premier ministre parce que c'est à ceux mis en cause qui les amènent prouver que oui. c'est faux. Exactement. C'est pas à nous de. Comment moi, mon arrêté soit une fausse charge d'accusation. La police, il lode une charge provisoire contre moi, possession of stolen property. C'est à moi de venir prouver qu'il est mis en cause, que c'est faux. Honnête, le donc, fardeau, comment dire. Exactement. Dit, mais qui fait le Premier ministre en tant qu'un avocat, quand ça pas servi sur ce ban dessin, licence de version. Il est 50 sous version. Il n'est pas capable sans ça comme ça. Donc, moi, me dire, je ne n'a rien pour me prouver. Pour moi, ban bande ce nom-là, c'est ban fait. C'est ban... Bon, bien sûr, il n'est pas recevable encore. Nous tout connaissons. Nous tout connaissons. Mais comment ça nous sortit, c'est ban fait. Ce sont des choses qui ont été dites réellement. Et dans mon cas, nous, toute la population connaît que c'est quelque chose qui vraiment, comme on dit tout à l'heure, qui finit concrétiser dans la réalité. Donc, pour moi, je ne suis pas capable d'émettre aucun doute sur la provenance, sur la légitimité de sa bande sonore. Là. Très important ce que vous pouvez dire, Alain Malherbe, en termes de... Parce qu'il y a une fois, il y a un gars qui dit, non, mais OK, mais tel du monde, il est bien prendre un step. Et moi, je pose ça, sa question-là, un invité hier, je suis très tenté pour poser la même question, parce qu'il dans un parti politique, nous peut aborder un petit peu le volet politique. Mm-hmm. Alain Malherbe, nous connaît l'élection peut venir là. Et nous trouvons dans le passé, sous le prime ministership de Anirudh Jagannath, nous avons Raditayal qui faisait démissionner. Exactement. On rappelle ça quand tu oui. poses l'épisode Balkoulaire. Même si nous avons Ramboulam, nous rappelle dans le cas de Yatin Varma, par exemple, enfin, Tienaben Assault, etc., qui nous fait trouver un leadership assez faux, surtout au niveau de Navin Ramboulam. Là, est-ce que vous sentez qu'il y a un problème de leadership? Parce que le Premier ministre, nous trouvons ça, il nous fait ça plusieurs fois. On nous rappelle dans le passé, dans le cas de Ravi Yerrigadou. Nous faisons trouver aussi les stack parties au niveau de. Enfin, pas tiens, un tapping, mais tiens, beaucoup d'éléments troublants concernant le ministre Manish Gobin. Mais on trouvait tout le temps les fins prêtes épaules à ce même ministre, même dans le cas de Yogi Dasso Minaden. Et là, nous trouvons, au lieu qu'il y vienne, il prend une décision faux, il y a un protagoniste qui concerne certaines une cause, les chefs de la caserne qui occupe de nos sécurités. Mais nous trouver comment dire, il peut défendre, il peut mettre le fond. Vous sentez, c'est un décalage en termes de culture, de leadership. Si nous faisons la comparaison, Sadj avec Pravin Jagannath, il y a un problème. Non, écoutez, moi personnellement, mon côtoie est Sadj.
dans plusieurs occasions, sous plusieurs circonstances, mon joint écrit personnellement déjà dans son bureau en tant que Premier ministre. Mais tiens, nous a fait pour discuter avec lui et motif franchement surpris par la gentillesse, l'amabilité, l'amitié que Sage typoté à la nation maurice. Bon, nous tous nous connaissons oui, ce langage, bon, ça c'est sous personnalité. Oui. Nous pas capable. Maintenant, du monde qui ne fait rien, nous tous ne fait rien. Nous pas capable de plier la pierre parce qu'il dit ça, il ne fait ça. Ok. Moi, dans tout du monde, pourtant, c'est le bon côté. Moi personnellement, qui me côtoie lui, me fait tout le temps gain une excellente impression de lui. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il n'est plus de ce monde et paix à son âme qui m'a dit ça. Non, bon, pour répéter toujours. D'ailleurs, à la mort de Sage, moi, j'ai créé des éloges à son encontre sur Facebook. Oui. Moi, j'ai fait moi laminé, maltraité par beaucoup de Mauriciens. Oui, oui. Et moi, je répète ce qu'il m'a dit. Quand moi, j'ai besoin de Sage à l'époque, j'ai guetté pour un problème, il fait aide-moi. Il n'est pas obligé aide-moi. Ce qui m'a dit, il y a l'écoute. Bonne écoute, il est sous-causé. Mm-hmm. Il prend toutes bonnes affaires à la légère. Et un coup de téléphone, il dit régler mon problème. Ok? Qui m'a dit? Moi, pas dit non, il faut que je parle de moi. Il m'a obligé à rendre hommage à la vérité. Maintenant, rappelle-moi un coup de question. Est-ce qu'il nous trouve là un décalage en termes de culture et leadership entre Sage et Pravin? Pravin Jagnat, Mungen, l'occasion aussi, Conley, avant qu'il y rentre en politique, avant qu'il y vienne Premier ministre, et dans cet cercle familial, Kotmoun Conley, moi, je ne connais pas Pravin Jagnat comme ça. Moi, je connais Pravin, je me rappelle la première fois qu'il m'a utilisé un lit à Floréal. Tout le monde était causé, il était assez tranquille dans une chaise et il était participé, mais sans cause, ça cause beaucoup. Vous comprenez? Et il fait attention à ce qu'il dit, il était pointilleux sur chaque mot qu'il s'est employé. Et moi, je me disais, mais Pravin, là, c'est un grand timide. Oui, oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde Pravin Jagnat, ce n'est plus la même personne. Bon, c'est vrai que la politique change les gens. Mais parfois, mais ce n'est plus la même personne que j'ai connue. C'est un contraste effarant. Et maintenant aussi, le pouvoir maintenant. Oui. Est-ce que le pouvoir monte à la tête à ce point-là? En termes de leadership, vous pensez que Pravin Jagnat, ce leadership, n'est pas aussi faux qu'il y prétend, n'est pas aussi faux qu'il se bat ministre et qu'il se bat supporter prétendre. Mm. Vous donnez un exemple qui me frappe, moi. Le cas Erdogan. Oui. Ou discrédite un ministre de la République de l'île Maurice. Oui. Les descendent d'avion. Pauvre boug, les pleurer, les dire, on pas reprendre mon pio, on pas replanter mon ananas, et raconte tout cela, la vie et tout le reste. Moi-même, moi, mon sentiment ému, mon petit sagrin. Oui. Zodi, le même Erdogan. Bon, maintenant, il est démissionné comme député. Il est démissionné du MSM aussi. Ok, à un moment donné, tu peux dire qu'il n'y a pas de pause candidature avec le EML. Oui. Bon, par contre, si c'était info ou intox, mais l'information est une sortie. Aujourd'hui, il peut réel pause candidat sous un parti qui finit évincé, qui lui décrédibilise et humilie. Oui. Mais pour moi, c'est une question de manque de leadership. Comment on peut faire ou respecter comme un leader politique si on arrive à faire des affaires comme ça? Ou pas calculer aux yeux de ou pas supporter même, aux yeux de la population, qui est-ce que vous pensez de vous? Qui est un leader, comment, un mot qui dit, un leader fantos, qui ou donne l'impression qui est un leader ferme, qui est au contrôle de tout, mais pas nécessaire. Mais qui en fait, ce n'est sûrement pas. Et nous rappelle bien, les titres comme ça, il n'y a pas de grande explication. Il y a beaucoup de spéculation. Personne ne peut pas comprendre qui est. Erdogan finit révoqué. Exactement. Maintenant, pose la question. Pour moi, le MSM, c'est un cartel. OK? Comme on le connaît, dans un cartel, tout le monde a un lien quelque part. Oui. Donc, pour moi, dans le MSM, qui fait autre chose dans la haute sphère, je hein, reste soudé, parce que je tout une petite chose contre le camarade. Ça fait une de chez vous comprenez? Ça fait une petite chose contre le camarade dans les affaires. Donc, si demain après-demain, moi, par contre, qui peut arriver. Si demain après-demain, M. Dib révoqué, ou M. Dib dégoûté lui-même, il décidait de nous démission, qui dit à nous qu'il n'y a pas une bonne affaire pour sortir? Bon, vous pouvez dire moi, what about Nandebouda?
Nan de Bouddha, il quitte le MSM après moi, 24, 25 ans. 25 ans, oui. Qu'il dit chez le MSM? Seules affaires qu'il dit, c'est le pouvoir cadenas. C'est C'est tout le lui, dit. c'est tout. C'est tout le dit. Sérissine, jusqu'à récemment, qu'il dit au MSM? Pas grand-chose. Oui. Erdoyal, qu'il dit au MSM? On Oui. donne quelque chose ou? Pas de On ne patate. donne rien. Donc, là même où trouver sa mindset qui est énorme au sein du MSM. Pour moi, le MSM, c'est une académie. Je ne connais pas qui c'est là, qui le prof là-dedans, qui celui qui forme ça, mais où se trouver dans le tout et un seul pattern qui reproduit. The tout pareil. Get ça, l'incident qui est arrivé hier entre M. Babli et M. Oui, Leblanc. Perras micro. Mais c'est inacceptable. Oui. Bon, moi, je connais bien M. Leblanc. C'est quelqu'un de cool, de tranquille, de pas rancunier. Il n'est pas arrêté à un détail comme ça. Mon papa est avec moi à ces deux personnages. Mon père est avec moi dans ce que le public trouvait. Le public, il interprète ça comme une animosité entre le MSM et son allié, le PMSD. C'est une affaire qui n'est pas de petit bizarre arrivé. Nous connaissons dans toute bonne réunion, dans toute bonne meeting, et dans un master of ceremony, qu'à un moment donné, il y a proche de la personne qui veut prendre la parole pour faire lui comprendre, bon, tout le temps, il passait, tout bizarre. Ça se Mais avec fait. une Ça se fait. élégance, Mais là, hier, Bon, pas comprendre. Bon, Gilbert Babli, il a beau être un opposant. Bon, moi, je dis toujours croire que c'est quelqu'un de cultivé et qui a des manières, mais là, on est choqué par son intervention intempestive vis-à-vis de M. Leblanc. on a touché les fonds Depuis longtemps, depuis depuis longtemps. longtemps. Alain Malherbe, et vous pensez que nous finissons tourner un petit peu autour de la question, les temps passent très très vite. Oui, trop vite même. À mon avis, vous finissez brosser un tableau-là en ce qui concerne la vie intime, subject data, etc. Mais aussi la sécurité maritime, qui, à mon avis, tout ça là lié parce qu'il y concerne le ministre de l'Intérieur qui est supposé assurer nos sécurités. Là, pendant les élections qui peuvent venir, donc nous avons l'échéance qui est en pleine campagne ou dans les partis travaillistes, ou bien sûr avec l'Alliance du changement, et un bloc informé, Parti travailliste, MMM, Nouveau démocrate et résistance alternative, comme on peut dire, REA. Et de l'autre côté, nous trouvons l'Alliance Les Peuples, ça quand même permet un petit peu ce programme. Avant qu'il vous cause un petit peu l'Alliance du changement, est-ce que vous sentez que le MSM est désespéré pour accrocher au pouvoir parce qu'il a trop beaucoup de dossiers, il a trop beaucoup anguille sous roche, ou angus sous roche, si nous pouvons dire comme ça? C'est un petit peu une tentative un peu désespérée à gauche, à droite, pour donner une mesure, l'argent, une allocation pour essayer de corrompre un petit peu la démocratie. Oui, mais pour moi, c'est clair et net que le MSM, avec ce bon allié, se donne une situation de désespoir. Et nous guettons ça tous les jours, ce qui peut arriver. Tous les jours, il y a une nouvelle promesse. La dernière promesse qui me sortit, avant-dernière promesse, c'était pour donner la monnaie aux enfants depuis 10 ans avant de Oui, ce oui, oui. moment. Maintenant, on entend dire qu'il y a une veuf pas pour payer dans le bus. Oui. Mais je ne pas connu, qui nous peut attendre encore? Donc, c'est une mesure qui me pensait assez ridicule, assez dérisoire, qui pas pour une change, une détermination de vote de la population. Donc, effectivement, c'est un gouvernement qui peut accrocher à toute une branche qui trouvait dans la rivière qui peut couler, il s'est agrippé, mais ça peut justement démontrer de plus en plus à quel point ce gouvernement-là est un gouvernement désespéré, l'iconé qui peut aller vers un échec total dans les prochaines élections dans quelques jours, et l'hyperode essaye rattraper, mais je crois définitivement que c'est bien, bien, bien trop tard. Ou en tant que membre du Parti travailliste, ou comment on peut trouver mot de terrain, comment on peut trouver réponse Dimoun, il Écoutez, paraît pour changement. moi, je vous dis franchement, au final, parce que je reste dans la région du Nord, au final, à assister beaucoup de bonnes réunions nocturnes dans le Nord. Là, bientôt, on va parler un petit peu aussi dans les hautes plaines, en quatre bornes et tout le reste. Mais moi, ce qui m'a trouvé, c'est que si aucune approche ban citoyen, en étant poli avec eux, en faisant autres connaît qui, ou peut causer avec respect, qui, tout ce qu'ils ont pu dire ou ayant de la valeur, ou récit approche, ou récit prend un thermomètre, ou tester température, ce qu'on appelle la masse silencieuse. Moi, mon fingain rencontre beaucoup ben du monde dans ben village, moi pas pour citer que ça, dans ben village, qui, je tire moi, je même,
Mais nous ne fait rire, le fin de vote, ce gouvernement-là, ne pas qu'à continuer encore. Parce que, moi, tiens, Nani, l'autre jour, qui dit à moi, il dit à moi, vous connaissez mon garçon, vous avez envie, au faire où, une petite tasse d'été, mais malheureusement, vous avez un délai. Je dis, Nani, pas besoin de tracasser, elle veut de l'eau correctement pour boire. La dame peut causer clé, causer clé. Je dis, mais où la santé? Tiens, une madame de 85, 86 ans, à peu près. Je dis, mais où la santé, qui manière? Il dit, moi, vous connaissez ça, l'as là, il y a une douleur à genoux, il y a une tension, tout le reste. Je dis, mais qui est le médicament on prend? Il y a un médicament qui appelle Attaquant Plus. Je bien connais ce médicament-là, puisque je prends moi-même. Attaquant Plus, une boîte coûte 1800 roupies. Combien de jours y aller? Un mois. Moi, j'ai ma tante là, je me dis, mais où est-ce que le médicament? C'est lié. Mon garçon, coûte capable. Je prends un médicament par semaine. Je dis, madame, mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Ou pas affecter la santé. Oui. Alors, vous prenez, madame, écoutez, un docteur qui me donne un médicament, un générique de Attaque en plus, oui. Qui est bien moins cher, mais qui, ma tante là, il peut débrouiller. Ma tante là, je me dis, moi, vous connaissez le talent, une genuine, c'est là. Je dis, ma tante, prends-le toujours. Toujours. Je dis, mais nous n'êtes pas capable. L'autre jour, moi, dans Winners, à Péribert, je l'ouvre la caisse, je trouve une madame contre moi avec un paquet Apollo et une boîte sardine. Oui. Je peux dire, je peux dire, qu'est-ce que c'est un dîner? Il trouve moi un paquet. Oui. Il dit, moi, ou peut demander nous, qui ne va pas le manger tantôt? Je dis, non, là, mais on a fait au dîner. Il dit, moi, mais c'est ça pour moi, pour trois enfants, ça. Une boîte sardine avec un paquet Apollo. Il dit, moi, je ne peux pas connaître qui nous manger demain. Là. Mm. On peut travailler grand matin pour grand manger à soir. Mais nous ne pouvons pas continuer avec une population qui souffrait comme ça, pendant que d'autres sont dans l'opulence, abusent de tout, et maintenant abusent de tout, abusent de nous l'argent, en tant que taxpayeuse, pour mener la belle vie. Donc, quand Dr. Navin Ramgoolam les cause rupture, là, enfin, quand un leader de l'Alliance du changement peut cause rupture, m'a convaincu que ça va un leader-là, mais mine ce qu'ils ont pu dire, parce qu'ils ont fini prendre la peine à l'eau terrain, à la souffrance des gens. Ils n'ont pas fait escorter par la police quand c'est un député, oui, candidat, oui, du MSN, PFE, qui fait ce escorter par la police. Moi, mon affaire porte à porte dans Poste Flac avec Anil Bétiou et avec M. Bitiouk, mais l'accueil qu'ils nous finissent gagner, c'est pour moi, c'était above expectations. L'État nous rend dans la cité NHDC, mais par contre, qui nous donne ça, mon cas, il y a un autre nom qui nous donne ça, il y a des enfants qui là, comment la plupart d'entre nous qui nous tient en rouge, comment des enfants viennent, ils commencent à aller navigner. Donc, même des enfants 5-6 ans, ils sont finis capturés par cette idée de changement-là. Si des enfants-là sont dans cette idée-là, ça veut dire que les parents ont la même idée. C'est les parents qui ont transféré cette idée-là. Donc, c'est pour ça que moi, dans confiance dans l'avenir, vous connaissez, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont découragés, mais moi, découragement, c'est un mot que j'aime beaucoup. Ok, je trouve toujours le bon côté d'une mauvaise affaire. Et je trouve toujours un événement quand c'est arrivé comme un blessing in disguise. Et ce qui finit d'arriver avec, pendant ces 10 dernières années, quand le peuple a souffert, il n'arrivait pas une raison. Nous connaissons tout, nous dire pour mettre l'eau, nous devons mettre des ordres. MSM nous met des ordres, nous pouvons venir nous mettre l'ordre et nous rassurons que dans quelques temps, ben des gens qui peuvent sortir de supermarché avec notre caddie pour nous sourire à notre visage. Ça, c'est un camarade qui nous joint dans Albion qui me dit moi ça samedi. Et je ne pas réaliser ça. Je dis c'est vrai, tu as raison, je peux employer toute l'expression. Tôt ou tard. Et c'est vrai. Bon, vous dire, oh, quand, oui, je vous dis, autrement dit, moi-même, prends un caddie, mais t'en veux dans un caddie là. Il y a 5-6 affaires. Vous comprenez? Et il y a un dit, qui passe l'eau la caisse, quand il arrive à payer, il y a des affaires, qui passent. Ça faisait tirer. Mais c'est grave, vous autres. Jamais, on trouve ça avant. C'est inacceptable. Donc, ce peuple-là mérite d'être sauvé. Et le peuple ne pourra pas être sauvé par un autre que l'Alliance du changement. Donc, où sentit pleinement que l'Alliance du changement, c'est vraiment le symbole du renouveau, de la rupture. De nouveau Maurice. Oui, renouveau Maurice, voilà. De la rupture. Un nouvel île Maurice pour Born Again le 11 novembre. Pour moi, il n'y a pas de doute là. Donc, Alain Malherbe, vous pouvez endosser
pleinement, on les dit à moi, l'Alliance du changement. Ah, Peut-être une petite question, est-ce qui ou dans les partis travaillistes, comment est passé ça collectif-là, ça marche bien, la cohésion entre les trois autres partenaires? Je vous sentez. bon, oui, me trouver, parce que vous connaissez, un parti n'est pas fait uniquement que de leaders. Oui. Comment me dire, un leader est comme un capitaine ou un bateau. Si un capitaine peine sur l'équipage avec lui, Oui. qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rien. Oui. Donc, me trouver, il y a une certaine symbiose qui existait entre ban leader, entre eux mêmes, et une symbiose qui existait entre ban leader et ban partisans, ban supporters et la nation mauricienne. Ça, c'est très important. Ça, c'est. Il y a du monde pour dire oui, c'est pas palpable. Moi, mon récit transcrit à ça dans la réalité. Quand on donne, par exemple, le joueur, à chaque causé, on a un frisson. Et ce frisson-là, c'est synonyme justement de cette symbiose qui ce récit transmet. Que ce soit Ashok, que ce soit Richard, que ce soit Paul, que ce soit Nabin, c'est. Moi, par contre, qui n'est arrivé, laisse-moi dévier un petit peu sur la spiritualité. Moi, j'ai l'impression que l'univers, dans toute sa sagesse, fait nous regroupe sa bande leaders de ces parties-là ensemble sous un certain chapiteau de bénédiction. Fin faire eux, comprendre eux, on eux. Bien sûr, quand on a une discussion, il y a toujours une affaire qui nous pas d'accord, mais toutes les affaires qui nous pas d'accord, nous sommes assis autour d'une table, nous discuter. Pourquoi bon, Ashok, il dit ça. Oui. Navin, il dit ça. Paul, il dit ça. Richard, il dit ça. Donc, ça montrait où l'intelligence de ce même leader-là, qu'ils sont prêts pour assiser. Au lieu de refuser catégoriquement une proposition d'un partenaire de l'Alliance, de assiser, de discuter, de Discuter. prendre les temps. Mais c'est un petit peu critiqué, tu dis, ouais, mais tous les semaines, Père envoyé, l'autre semaine, nous pourrions. Mais nous ne sommes pas capables. Nous assiser un coup, nous dire, un de ça, un de ça, un de ça, nous ne parlons pas de ça, nous parlons de ça, nous quittons, nous allons pas, nous ne prenons rien. Ce n'est pas ça comme ce pays. Moi, me rendre hommage à sa bande de là, ce qui me prend la peine, ce qui me prend tout le temps pour assiser, pour faire ce bande échange de vues, tombe d'accord, me connaît dans beaucoup de concessions qu'il vient de faire. Et ça me rend hommage à tout un chacun, parce que c'est à travers une concession qui nous arrive justement à un accord fort, un accord stable, un accord durable. Donc pour moi, peinant aucun. Et là, tu me peux dire, après l'élection, l'alliance pour casser, me dire, les autres causés. Les autres causés, nous connaissons qui nous peut faire, nous connaissons qui nous bannent leader peut faire, nous connaissons qui nous bannent agents, nous bannent supporters, le terrain peut faire. C'est une grande famille en mouvement, et cette famille-là, c'est la famille qui amènera la paix. La joie de vivre dans la République de l'île Maurice à partir du 11 novembre. Voilà, c'était le mot de la fin, Alain Malherbe. Nous tenions à remercier vous C'est pour moi votre qui vous remercie. participation dans l'émission Mot d'accord changement. Donc, nous sommes capables de dire clairement, Alain Malherbe, d'accord changement. Ah, à 100%. C'est du cas de Oui. l'émission. Mais moi, j'ai envie quand même Oui, bien sûr. faire un dernier petit ça. Vous connaissez, beaucoup de monde connaît à quel point mon proche avec le poste travailliste. Oui. Mon tonton, qui ministre le poste travailliste à l'époque. Et beaucoup de monde s'attendent à ce qu'ils me gagnent un ticket avec le poste travailliste. Oui. Beaucoup de monde disent à ça, ouais, allez, frustré, il n'est pas gagné un ticket avec le poste travailliste. Mon besoin, répète mes affaires dans une perspective pour pas qu'il y ait aucune confusion. Quand je rencontre le docteur Narangoulam pour notre première rencontre à mon adhésion du poste travailliste, je me dis, allez, tout de suite, je ne viens pas là pour demander un ticket, je ne viens pas là pour la guerre ticket. Je ne pas venir là pour venir ministre. Je viens là pour servir le pays à travers le Parti travailliste avec l'expérience qui m'a servi dans mon domaine. Le docteur Amoulam nous discute, lui avec moi, nous discute là et il respectait mon choix. Vous comprenez? Donc c'est ça qui me rassure certaines personnes. Je connais, il y a beaucoup de monde qui supportent moi, il y a beaucoup de monde qui sont déçus, je n'ai pas gagné un ticket. Pendant que moi, il y a beaucoup de monde qui sont prédestinés pour gagner un ticket, pas de gagner. Mais c'est une question de choix, de stratégie, et nous faire confiance, nos leaders, quand ils décident de mal faire. Donc, reste à chaud de tout. Jamais de la vie, mon pas sentiment, comment dire, fin lésé ou fin abandonné par le parti ou par le docteur Angoulan. C'est mon choix à moi. À aucun moment, motive ayant l'ambition pour venir un ministre de la République. Mais, vous pouvez aussi préciser que ce n'est pas pour une ministre qui casse, c'est un pays. Oui. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait un ministre ou capable d'être un citoyen engagé comme je l'ai été tout le temps pour servir au pays, pour discuter au pays, pour veiller au bien-être de nos compatriotes.
Voilà, c'est ça qui motivait mettre ça une fois pour toutes, dans toute perspective, pour qu'il n'y ait aucune confusion, aucune mésentente. Oui, juste pour faire une petite parenthèse, en Évalier, on a beaucoup de camarades qui, dans l'extrapole montée, qui on amène beaucoup de combats ensemble. On peut dire, ouais, Ivan Bibi, on a Bruno Laurette, on a beaucoup de combats ensemble. Nous trouvons que nous pouvons poser en indépendant, ou soit dans cette partie, ou sentir qu'il faut aller mieux si tu rassembles, rallier les autres derrière. Malgré que nous sommes un pays démocratique, bien sûr, ça fait non, bien évidemment, bien évidemment, parce que finalement, nous tous, que ce soit le Man Parti parlementaire comme extra-parlementaire, nous tous, qui but qui nous est nos buts est non, tirer mes scènes. Oui. Okay? Bien sûr, dans un monde idéal, ce serait mieux que tout bon parti de l'opposition se regroupe sous un front commun pour pouvoir combattre le MSN. Ceci étant dit, nous pas qu'à prendre décision, nous pas qu'à prendre décision à la place de Bruno Laurette. Il y a une bonne raison qui fait les films décidés pour faire ce nouveau groupe, groupe Bruno Laurette, comme on va s'appeler, et qui propose Mouvement Bruno Laurette. Mouvement Bruno Laurette sous sa bannière-là comme candidat aux prochaines élections. Je pas capable non plus à le dire à Ivan Bibi, tout petit bizarre, viens associer toi au poste de travail sur que ce soit. À Ivan, c'est un bon camarade, comme Bruno, c'est un bon camarade, mais me respecter ce choix. Donc, l'île Maurice étant ce qu'elle est, nous bizarre quand même, même qu'il nous banne l'opinion, nous bizarre quand même respecter le choix de ceux qui sont nos amis et qui sont même les gens de notre famille, nous tous libres. D'ailleurs, c'est la Constitution qui le dit. Nous libérons de choix. Et me souhaite Bruno et me souhaite Ivan une bonne campagne électorale et me souhaite beaucoup de succès aussi des entreprises. Et m'espérer qu'un jour ou l'autre, ça pourra gagner l'occasion pour servir le pays, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Merci Alain Malherbe et surtout qui m'a trouvé qui avec le changement, mais aussi il est vraiment admirable. Et nous finissons une émission comme je fais avec. Il y a un candidat qui est capable de candidat dans l'extra-parlementaire, mais les autres ont fait le choix pour rallier les autres avec l'Alliance du changement parce qu'ils ont dit que l'enjeu est tellement grand. Donc, merci à vous pour le passage, le Rise Emotion, pour cette très très belle contribution. Je suis bien content de l'émission parce qu'il est très pédagogique et, à mon avis, nous finissons baliser un peu, nous finissons aborder beaucoup de sujets qui sont très très sensibles, qui des fois nous posent une question. Mais nous n'avons pas de réponse quand nous avons un quelqu'un qui maîtrise les données, maîtrise, qui comprend un petit peu ce domaine. Merci encore. Merci pour votre participation. Merci à la fin. Et merci tout bon internaute pour votre fidélité. Pas oublier de chercher cette vidéo-là pour nous toucher un maximum d'audience, pour la pédagogie et pour nous capables d'aider les gens à gagner un bénéfice et qui vous êtes capables de faire votre choix en mode d'élection. Je voudrais remercier Yannick qui finit. Stéphane Guyard, Patrice et toute l'équipe de Rising Ocean. Donc merci, à bientôt pour une nouvelle émission de Mudako en changement. À bientôt, portez-vous bien. Take care, bye.